Bon, on va pas perdre de temps plus que ça. Programme Pec Épaule. J'espère que tu es prêt, que tu as préparé ton eau, tes BCA et tout ce qu'il faut. Ta créatine avant, après, peu importe. On commence, focus-toi, focus et concentré parce que là, on va se faire mal. Premier exercice, on va se faire de la double contraction en développé couché, haltère. Je te montre le mouvement. Double contraction, c'est simple. Tu fais un demi-mouvement, tu redescends et un mouvement complet. Ok? Ça, c'est une rep. Donc, ça va faire hop, une, hop, deux. Et ça, on va se le faire 4 fois 10. D'accord? Notre base, hein, on est sur la prise de masse, on est sur l'esthétique, on est là pour faire gonfler, ressortir les pecs. Donc, on va faire ça bien. Ok? Allez, c'est parti. Hop, on y va. Hop, une. Hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, 6, hop, 7, 8, hop, 9, et 10. Ok. Je mets mon temps de repos qui sera de 1 minute 30 et mon premier trait. Directement comme ça, on est bien. Ouf. Tout d'abord, hein, je tiens à tous vous remercier parce que tous ces programmes, tout ce que je fais, ben, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce aux retours, des commentaires, c'est grâce à vos attentes aussi. Parce que voilà, on est une chaîne où moi je suis très à l'écoute, ok? Quand il y a des programmes à faire, quand il y a des choses que vous voulez faire, quand il y a des retours que vous faites, par exemple, vous avez du mal à prendre des pecs, vous avez du mal à gonfler à ce niveau-là, ces programmes, ils servent à ça. Et l'amélioration du programme type, eh ben, j'ai pris en considération toutes les personnes qui m'envoient des messages par rapport à leur difficulté à prendre des pecs ou ressentir les pecs. C'est important. D'ailleurs, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est les pompes sur le banc. Là, il me reste un peu de temps. C'est cet exo-là. Hop, tu te prépares, tu fais une, deux, hop. Une, deux, hop. Ça, tu peux le faire juste avant le programme. Ça peut te faire du bien pour t'aider à bien ressortir tes pecs. Mais ça, je l'ai dit dans ma vidéo, comment bien ressortir ses pectoraux. C'est important. Là, on va bientôt repartir. Je bois une petite gorgée. Une minute trente. Et on repart. Hop. Allez. Ouf. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Allez. Hop. Sept. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Et dix. Ouf. Ok. Temps de repos, très important. 1 minute 30. Deuxième trait. Très important, hein, quand tu fais ton développé couché avec haltère, serre bien les abdos, d'accord? Serre bien les abdos. Les abdos, tu les contractes, tu les serres. Et c'est l'arrière de tes épaules, tu vois? Dis-toi que l'arrière de tes épaules, hop, il est collé sur le banc. Il décolle pas du banc. Parce que plein de personnes me disent, je ressens pas mes pecs. Ou j'ai plus d'épaules que de pecs. Je ressens plus mes épaules. Parce que vous êtes trop devant. Vous êtes trop comme ça. Or que non, il faut vraiment que tes épaules soient collées sur le banc. Tu vois? Ils soient collés sur le banc. Et comme ça, tu sentiras bien tes pecs. C'est important. Faire les choses bien. Ok? Ouh. Moi, tu vois, moi, je parle beaucoup dans les programmes, ce qui fait que j'ai envie de boire. On va faire la troisième. Tranquillement, il reste 30 secondes. On est bien. Oh. Mais bon, je suis très content. Ce programme type numéro 2, il va faire mal. D'ailleurs, j'appelle programme type, mais là, on n'est plus sur un programme type. Là, on est vraiment dans de la destruction type. Là, c'est fini, tout ce qui est programme facile et tout. Là, on arrive dans le dur petit à petit et c'est important. Bon, on y va pour la troisième.
Allez. Ouf. Hop. Allez. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Hop. Sept. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Et dix. Ok. Temps de repos avant. Faut pas que je gratte du temps, c'est important. Voilà. Là c'est bien. On a la troisième. Il nous reste une dernière. Après on est bien. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à ma formation en métier de sécurité armée, et ben voilà, c'est compliqué parce que j'ai foiré un peu des tests écrits, tests de lecture, parce que voilà, je fais tellement de choses les gars, je fais tellement de choses, que ce soit les vidéos pour les clients, parce que tu me connais, je suis un vidéaste, je filme les clients, les vidéos pour la chaîne YouTube, mais ça va, pour YouTube ça va, et l'avancée de mes réseaux, MyProtein et tout, ben tout ça, ça fait que je dormais peu. Mes entraînements aussi en salle, pour me préparer au test physique, ça faisait que je m'entraînais peu, que j'étais fatigué. J'étais juste prêt pour le sport, j'étais prêt pour l'action, mais des tests écrits, tests de lecture, c'était compliqué pour moi, donc j'ai foiré. Donc, j'ai 4 mois supplémentaires pour me reposer et me représenter si je compte refaire les tests. Je vais les refaire, on va se reposer, on va voir comment on va procéder. Mais ça me laisse le temps de te faire plein de programmes, de te préparer au max pour l'été, mais aussi à moi de progresser dans mon business, dans YouTube aussi, et de kiffer ensemble. Et là, on repart pour la dernière. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on y va. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Ok, très bien. Je mets mon quatrième trait. Ok. Là, tu prends 2 ou 3 minutes de repos, tout dépend de ta forme et de ta condition. Et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, on va se faire du développé couché unilatéral tranquillement. Je te montre le mouvement. Hop. Ouf. Tu fais. Hop. Bon. Tes mains sont comme ça, d'accord? En l'air. Tu fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté. Et 10 répétitions, hop, comme ça. Ça va faire mal, ça va bien activer tes pecs, mais on est là pour ça, d'accord? On est là pour se faire mal, on est là pour évoluer. Donc, si ta charge précédente était lourde, je t'invite à baisser les charges, d'accord? Ou tout dépend, même pas une charge trop lourde, parce que là, ça va te faire mal. Il y a beaucoup de répétitions à faire et il y a un exercice où on est en statique, tu vois? Donc, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Ok? Pareil, 4 fois 10 répétitions. C'est parti. On y va. Position de départ. En haut. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Ouf. On met le temps de repos tranquillement. Et le premier trait, ça, c'est un exo que je kiffe faire. Tu sais, ces exos-là, c'est des exercices que je faisais avant, que j'ai arrêté de faire malheureusement,
Mais je sais pas pourquoi j'ai arrêté de les faire. Mais là, franchement, ça me procure un grand plaisir. C'est à l'époque où je m'entraînais vraiment dur, où je me faisais mal. J'allais à la salle, je me faisais mal. Là, pendant quelques temps, je me faisais plus trop mal à la salle parce que j'avais déjà atteint mon objectif concrètement. Donc, je m'entraînais juste pour être congestionné, pour être content, et c'est tout. Mais là, voilà, j'ai repris goût à m'entraîner dur, j'ai repris goût à me faire mal. Et je souhaite aussi de partager mes séances où je me fais mal. C'est ce qu'il faut. Parce que si je te fais que des programmes simples, des programmes tranquilles, au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, dame, t'es bien gentil de t'entraîner avec nous, mais nous, on va avoir mal, tu vois. Et là, on se fait mal ensemble, et c'est important. Après, voilà, ça va vraiment dépendre de la charge, mais pas trop lourd, d'accord? Mais pas trop lourd, mais une charge suffisamment moyenne pour tenir dans l'exercice. C'est important. On repart dans 15 secondes. Tiens-toi prêt. Si t'as des BCA, je t'invite à les boire. C'est important parce que c'est là où tu grilles vraiment ton énergie. Ok? Hop, 4 secondes, tu peux couper. On se prépare. Hop. Allez, c'est parti. Position de départ. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ouf. Hop, le temps de repos, excellent. 2. Toujours 4 fois 10, hein. 4 fois 10, 10, 10. Histoire d'être bien. On boit l'eau, on est tranquille. Là, je vais bientôt partir en vacances. Enfin, normalement, si tout se passe bien. Partir à Malte. Juste pour voir un peu, voir comment c'est, parce que c'est pas cher. Ok? Et pour me reposer aussi, suite à toutes les aventures Covid et tout. Parce que voilà, j'étais parti à l'île Maurice, j'étais parti en Thaïlande. Là, avec madame, on veut pas aller trop loin. Donc on va aller à Malte. On va recommencer, voir si je te fais des petites vidéos, des vlogs, des programmes. Enfin, programme, je pense pas. Mais petites vidéos, petits vlogs, ça peut être cool, tu vois. Ou juste peut-être te faire un petit truc, tu vois. Te partager ça sur YouTube. Sur Insta, déjà, c'est sûr, mais sur YouTube, on verra. Mais ça fait plaisir. Je verrai si je ferai un petit truc cool. Vos shapes de l'été aussi, ça peut être vraiment pas mal. Une petite vidéo pour qu'on voit un peu vos shapes, pour qu'on voit un peu comment vous avez progressé pour l'été. J'ai partagé vos évolutions, mais j'ai envie de voir vos shapes maintenant. Ça peut être intéressant. Là, on va repartir. Hop, 28. On y va pour la troisième. Allez. Hop. Ouf, position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ouh. Temps de repos. On prend le temps de bien poser les poids parce que c'est vraiment en posant les poids et en prenant les poids qu'on peut se blesser le plus facilement. 3, il en reste une. Et on fait ça bien. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Pour ce programme type numéro 2, qui n'est pas vraiment un programme type, hein, je voulais vraiment faire en sorte qu'on se fasse mal. Pas faire des trucs simples. Faire vraiment quelque chose où, voilà, là, on n'est plus là pour rigoler comme la partie 1.
On est vraiment là pour attaquer, vraiment là pour se faire mal. C'est important. On est là pour évoluer tous ensemble. Et je vais essayer de sortir cette playlist en mars. Normalement, oui, normalement, je la sors en mars. Pour que avril, mai, juin, juillet, tu sois prêt, d'accord? À partir du mois de juin, normalement, tu seras bien, ok? Histoire que, voilà, on ait notre shape de l'été, c'est important. Moi, comme tu sais très bien, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le délire, s'entraîner, être bien pour l'été. J'aime bien ce délire-là. Et si je peux te retransmettre ça, ben voilà, c'est bien. Bien entendu, il faut être bien pour soi, il faut être bien tout le temps. Mais moi, je suis dans le délire, être bien pour l'été, montrer qu'on est présentable, c'est important, ok? 1 minute 30, on part pour la dernière. On fait ça bien. C'est parti. Allez, hop. Ouf. Position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ouh. Voilà. Je mets mon quatrième trait. Hop. Et on est bon. Bon, toi, tu prends 2 ou 3 minutes de repos, peu importe ta forme, ta condition. Et on passe au troisième exercice. Troisième exercice, on va se faire de l'écarté couché halter avec 2 secondes de contraction. Hop, je te montre le mouvement. L'écarté couché, hop, c'est ça. Hop, tu restes comme ça. Mais là, on va compter 1, 2 et on va revenir. Ok, 1, 2 et on va revenir. J'ai mis combien ? 4 fois 15 répétitions. Ça va faire mal, d'accord ? Ça va faire mal. On est là pour se faire mal, on est là pour progresser, ok ? Donc, faut être prêt. Hop, allez, on va y aller, c'est parti. Ouf. Position de départ, et on y va. Une, deux. Un. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Allez. Une, deux. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, allez, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, allez, 1, 2, 15, super, celui-là, il va bien lui sécher, si vous ne m'insultez pas dans ce programme-là, là, c'est vraiment qu'il y a un problème, vraiment, parce que là, je vous dis, on va tenir, on va se faire mal, mais on va évoluer, et ça, c'est important. Je sais pas si vous comptez partir en vacances. Ce serait bien de me dire où vous partez en vacances. Si on a tiré jusqu'à là, hein. Me dire où vous partez, si vous partez ou si vous avez si vous envisagez de partir en vacances, où vous voulez aller, quel shape vous voulez. Tu vois, parce que ici on est dans le délire, d'accord. On est dans le délire, avoir sa shape, être bien et manger tout ce qu'on peut manger, d'accord. Mais avoir une shape tranquille. Mais déjà, quel shape vous voulez avoir? Moi, je te cache pas, moi, mes vacances, j'aimerais être balèze. Dans le sens où, voilà, mes bras, ils sont déjà bien, mettre encore mieux. Dans tous les cas, on va en parler dans la séance bras. On va en parler. Ça, les vacances, je laisse ça pour la séance bras. Mais j'aimerais être balèze, avoir un peu d'abdos et être bien. En soi, les pecs, oh, c'est pas le plus important, moi c'est les bras et les épaules. Mais on va en parler tout à l'heure. C'est les épaules après, là, après ça là. C'est les épaules, donc moi je veux des bras et des épaules, c'est tout. Et être content. Tu vois, quand tu bois ta noix de coco là,
Avoir le bras bien balèze comme ça, c'est important. Bon, là on repart, 1:30, c'est parti. Comme je t'ai dit, le temps de repos, on le respecte. Parce que c'est ça qui nous fait évoluer. Allons, on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez. 1, 2, 5. 1, 2, 6. C'est rien. 1, 2, 7. On est là pour évoluer. 1, 2, 8. 1, 2, 9. Allez. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. Allez. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Tu vois, ça c'est un exo. C'est bien parce que tu vas sentir un peu les épaules aussi. Et ça nous prépare bien pour ce qui arrive tout à l'heure. Tu vois là, tu vas bien t'élargir, être bien, tu vas avoir une bonne posture avec cet exercice là. On est à 2, on est bien, il nous en reste 2, c'est tranquille. Ouais, mais ça m'intéresse. Où vous voulez aller en vacances, où vous voulez partir. Et franchement, j'ai envie de voir. Il y a une salle, pour ceux qui suivent le programme là, assidûment, il y a une salle au Mexique où genre les poids, c'est des cocotiers et tout. En fait, les poids, c'est en mode sauvage, tu vois. J'aimerais trop aller là-bas. Ah, c'est incroyable. Le seul problème, c'est qu'au Mexique, là-bas, le racisme, il est plus que présent et j'ai peur. Après, tu vois, le racisme, il y en a partout. Mais là-bas, ils ont des armes, les mecs. Moi, on va me voir, le Dame Jordan, ouais, what's up et tout. Non, ça va être compliqué, les mecs, j'ai peur. Mais j'aimerais aller dans cette salle, au moins pour te faire du sale là-bas. J'aurais aimé. Donc, est-ce que vous savez, c'est une salle similaire quelque part? Je sais pas, je crois que ça s'appelle le Tulum Gym, ou je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est Tulum ou je sais pas, mais hey, y a des cocotiers partout et j'ai envie d'aller là-bas. C'est intéressant. Ah, ce sera un objectif. Bon, on arrive à 1:30. Tu connais, hein, plus on a mal, plus le temps de repos il passe vite. Mais c'est comme ça, malheureusement. On est là pour évoluer. Si on n'évolue pas, on se fait pas mal, on progresse pas. C'est parti, position de départ, et on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 4. Ouais. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7, ouais. 1, 2, 8, allez. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11, allez. 1, 2, 12. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oh. Là, je suis en train de penser à quand je vais vous faire des programmes en salle. On va tellement souffrir ensemble. Tellement. Et j'attends ce moment avec impatience. J'attends ce moment où une salle de sport me dit, frérot, viens chez nous, fais tes programmes, fais ce que tu veux, d'accord? N'importe où dans la France, ok? Tant que c'est accessible, pardon, avec les transports et tout, je me déplace sans problème. Je suis là, je vais dire à madame, bon, écoute, est-ce que tu peux venir avec moi? Voilà, on voit comment on fait. Et puis, on fait ça bien, ok? On fait ça bien, ou si madame peut pas venir, bah, je me déplace et c'est parti. Je suis prêt à faire ça bien. Pfff, là il nous en reste une dernière. Tu vois, on a bien tenu hein, pour les pecs, ça va. Il nous en reste une dernière, après c'est les épaules, on se massacre un peu et c'est bon. Là, je sais pas, on a combien de temps dans la vidéo total en programme, mais tu vois, tu te réserves un petit peu de temps dans la journée, tu fais ton programme, tu valides ta séance, c'est fini.
Si t'as un peu plus de temps, hop, j'ai fait une playlist point faible. Elle est excellente, incroyable. Je vais peut-être en faire une deuxième, on verra. Mais fais un petit point faible après et t'es bien. 1 minute 30, c'est parti pour la dernière. On fait ça bien. Hop, allez, on y va. Let's go. Position de départ et on y va. 1, 2. 1. 1, 2. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5. 1, 2. 6. 1, 2. 7. 1, 2. 8. Allez. 1, 2. 9. 1, 2. 10. 1, 2. 11. 1, 2. 12. Allez. 1, 2. 13. Allez. 1, 2. 14. 1, 2. 15. On n'arrête pas là. On reste comme ça. Dans un de mes programmes PEC, je devais faire 15 reps dans un exercice et j'en ai pas fait 15, j'en ai fait 10. Donc on va faire les 15 reps qui me restaient tous ensemble, on va tous assumer. Parce que si j'ai pas fait, c'est à cause de vous, d'accord? C'est à cause de moi, mais de vous aussi, c'est à cause de nous. Donc on va faire ça bien, c'est parti. 1, 2, 1, ouais. 1, 2, 2, ok. 1, 2, 3, il en reste 2, allez. 1, 2, 4, dernière. 1, 2, 5, super. Si t'as fait ça avec moi, c'est que t'es un vrai soldat, c'est bien. C'est bien, c'est bien, je suis fier de toi, je suis fier de nous. Je mets mon petit trait, tranquillement, hop. On a validé tranquillement les pecs. Moi, je te dis de prendre 2 ou 3 minutes de repos. Tout dépend, peut-être 3 minutes, parce que là, ça fait plutôt mal. Tout dépend de ta condition. Et voilà, hein, exercice suivant. Exercice suivant qui est épaules. Pour les épaules, on va pas trop les torturer, d'accord? Mais on va se faire mal quand même avec des bons exercices. On va se faire des élévations latérales en unilatérale. Cette fois-ci, on va pas prendre une charge moyenne, ok? Hop, tu mets une main, soit en dessous le banc ou en dessous ta chaise, ou sur toi. Personnellement, je préfère en dessous pour prendre appui et tu balances alter sur le côté. L'idéal, c'est de faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. Si c'est un peu difficile pour toi, tu peux en faire 5, enfin, faire 5, en faire 8, pardon, pour rester dans la prise de masse et être bien. Mais on va en faire 10 ensemble, d'accord? Même si tu as mal, tu fais quand même. C'est comme ça que tu progresses. Et pareil, 4 fois 10 répétitions, ok? On y va. Hop, c'est parti. Main en dessous le banc et on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, pose l'haltère. On prend l'autre main. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je mets le temps de repos. On est bien. Et je mets mon trait. Voilà. Ouf, ça c'est un exercice que j'aime bien faire en salle. En salle par contre, je fais souvent, hop, 10, 10 et après je prends les 2 et 10. Le problème, c'est que en salle, j'ai plusieurs haltères. Ça veut dire que je peux prendre haltère lourd et haltère léger. Là, je peux pas le faire. Ça veut dire que je suis obligé de faire en léger une latérale et faire les deux après. C'est bien, mais pas intéressant. Moi, j'aime bien travailler intelligemment, porter lourd, faire grossir un peu mes muscles. Donc, prendre charge lourde, une latérale, c'est très, très bien. Repos, une 30, hein, tu connais. Histoire d'être bien, c'est important. Ah, ça fait du bien de boire un peu d'eau. Prochain programme, je vais peut-être prendre des BCA. Parce que là, je sens la fatigue augmenter. Sachant que moi, j'ai des BCA en gélule. J'ai pas pris des BCA en poudre.
Parce que voilà, MyProtein, je les aime bien, hein, c'est mon sponsor, mais leur BC en poudre, c'est pas les meilleurs. Donc gélule, que ça je suis tranquille. J'ai pas de goût bizarre dans la bouche. Ou peut-être prendre de la Clearway, tiens, parce que ça a un bon goût et j'assimile ça vite. 1 minute 30, on repart. Allez, main sous le banc et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Je ne l'ai pas dit, mais je penche un tout petit peu en avant, d'accord? Pour avoir une meilleure sensation. 1, 2, 3, allez, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Ah, là où je suis, il y a des policiers, des pompiers à chaque fois, c'est incroyable. Hop, 2. On a 2, tranquille. Là, tu vois, là, on est sur les épaules. Les épaules, on ne se fait pas autant de mal que les pecs, parce que tous les exercices pecs, tes épaules sont un peu sollicitées. D'accord? Sachant que si tu as vraiment un retard sur les épaules, je t'invite à suivre un programme point faible, spécial épaule, un programme spécial épaule juste après, pour bien bosser ça. Ou d'isoler même une séance épaule. Parce que le but n'est pas de surexploiter les épaules. Parce que les épaules, on développe très vite ses épaules, tu vois, très très vite. Et plus tes épaules sont développées, plus tu auras du mal à développer tes pecs. Tu vois, malheureusement, c'est mon cas. Et pour éviter de vous transmettre mes erreurs, bah, je vous fais bosser intelligemment. Sinon, on va tous se ressembler, les mecs. D'accord? Moi, je veux que vous soyez parfaits, c'est important. Bientôt, il reste 20 secondes. On est bien, on est bien, on est bien. Il en reste 2. Il en reste 2. C'est cool, ça. Ouh. Là, à cause des programmes type, je vais même plus aller à la salle. Ça va être bien. Pendant 2 semaines, là, je m'entraîne qu'avec vous. Hop, c'est bon, 1:30. On part pour la troisième. 1, 2, allez, 3, c'est rien. 4, ouais, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, l'autre main. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Hop, temps de repos. Troisième, il en reste une déjà. Il en reste une et on est bien. Tu vois, là, on a beaucoup de unilatérales, tu vois. Que ce soit pour les pecs, pour les épaules, même dans les autres programmes à venir. Parce que là, on commence à utiliser des techniques où ton corps n'est pas habitué, d'accord? Bon, peut-être avec les points faibles et tout, c'est que tu suis assidûment tous mes programmes. Ce sera pas nouveau pour toi, mais de le faire dans un programme complet, là, tu vois que ça fait quelque chose quand même. Tu vois que ton corps, il aime bien. Il commence à avoir mal, il commence à te donner des signaux de courbature que tu n'avais pas avant. Ça, c'est intéressant. Donc, on va continuer comme ça, on va continuer à stimuler, à se faire mal. Et ça va nous faire progresser. C'est important. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ouh. Il reste 30 secondes. On est bien. Tranquille. Ah, j'aimerais bien avoir une salle de sport où, franchement, j'ai un éclairage excellent. Et je te fais des vrais programmes de fou. Que ce soit ma salle, hein. Ma salle ou peut-être... Une vraie salle, que ce soit un fitness park, un runner, peu importe. Et là, je te fais des trucs de fou. Mais ça va venir. Plus la chaîne augmente, plus vous aimez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus je suis connu et plus les opportunités arrivent. Et on va se battre pour ça. Allez, on y va pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, très bien. 1, 2, allez, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ouh. Je mets mon quatrième trait, c'est important. Voilà. Ok, bon. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice de ce programme. Dernier exercice, on va faire du développé militaire unilatéral. Je te préviens tout de suite, ça va faire mal, d'accord? Alors, hop, on est comme ça. Et 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et on pose, ok? Histoire d'être bien, se sentir bien. Et bien se finir en épaule. Hop, il est où mon deuxième poids? Il est là. Je prends mon deuxième poids. Je resserre bien. Parce que si ça tombe sur ma tête, c'est pas cool. Et on y va, c'est parti, on fait ça bien, c'est le dernier exercice, ok? Hop, on se le fait 4 fois. Position de départ, comme ça, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Ça, c'est vraiment le meilleur pour la fin. Ça. La finition totale, tu vois. Là, gagne bien les abdos, ok? En plus, on n'a pas de dossier pour le dos. Si tu as un banc auquel tu peux avoir un dossier sur le dos, prends-le, d'accord? Nous, on a un banc droit, si t'as une chaise, prends aussi ta chaise, mais casse pas ta chaise avec ton dos large, ok? Et là, tu seras bien. Si t'es comme moi, t'as un banc, ou t'as un tabouret, ou je sais pas, gaine bien les abdos, c'est important. Histoire de rester droit et de faire le mouvement. Si tu bouges un peu, c'est pas grave. C'est un mouvement difficile, ok? On est en fin de séance, on a mal, donc c'est comme ça. Mais comme t'es un soldat, tu vas rester jusqu'à la fin. C'est important. Que tu bouges ou pas. Ok? Parce que aujourd'hui tu bouges, demain tu bougeras plus. Il faut bouger pour apprendre à ne plus bouger. C'est important. Ouf. Bientôt. 30 secondes. Et on repart. Là je suis énervé, là c'est bon. Faire ça bien. Ouf. Ce premier programme, ah, je me sens pas pareil que l'autre programme PEC. Hein. Parce qu'il faut savoir, le programme type numéro 1, j'ai tout filmé en un jour. Là, c'est un peu plus difficile, tu vois. Je peux faire, mais faut être prêt. Hop, 1:30. On se prépare et on y va. Allez, hop, hop. Position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, ouais, 4. 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, ouais, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Temps de repos, on est cool, je mets mon petit trait. Tranquillement, 2, voilà. Ouh. Ce qui est bien, c'est que les programmes PEC, épaules, biceps, ça c'est des programmes où avec les haltères, tu peux vraiment te faire mal et aller loin. Mais tout ce qui est programme dos, programme jambes, tu vois, tu peux faire des bons trucs avec halter et barre. Mais le problème, c'est que voilà, il y a des machines que tu peux pas remplacer. Malheureusement. Il y a des machines qui vont te faire évoluer. Comme par exemple le squat. Pour les jambes, ben, la vraie barre, c'est pas la même que ta petite barre de développé couché. Et ça, c'est dommage qu'il n'y a pas ça. Franchement, c'est dommage. Enfin, c'est dommage que je peux pas te le proposer plus tôt. Ouh. Allez, on va se préparer 20 secondes, tranquillement,
Tout va très très bien se passer. On est sur la fin, il en reste deux. Il en reste deux, après c'est bon, tu peux faire tout ce que tu veux. Après, tu peux jouer à la play, tu peux lire un livre, boire un thé, regarder ta série ou ta télé-réalité ou aller sur TikTok. Après, on est bien. Mais là, on travaille. Hop, hop, position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, allez, 4, ouais, 5, 6, ouais, 7, 8, 9, 10, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, effacer. Et je remets. 3. Il nous en reste une dernière. Et on est bien, on est tranquille. Ça va vite, ça va vite. Dernier exercice. Tranquillement, ça va vite. J'espère que tu as aimé et kiffé ce programme. Hein. En tout cas, kiffé le faire avec moi, évoluer. Dans tous les cas, si tu es un habitué du programme type numéro 1, celui-là, il va te faire du bien. Il va vraiment te faire du bien, il va vraiment te faire mal. Et c'est ce que je veux. Moi, je veux que tu aies mal, je veux que tu progresses, je veux que tu réussisses, je veux que tu aies un bon physique. Et c'est important. Bah oui, c'est important. Ah. Par contre, ouais, là, je sens quand je m'entraîne avec des BCA et quand je m'entraîne sans BCA. Donc, je vais voir si je peux me prendre un petit pré-workout après pour voir si je continue. En fait, après ça, je vois si je continue ou pas. Si je te fais d'autres programmes. Parce que niveau organisation, je pars bientôt en vacances et tout, ça va être compliqué. J'ai des tournages pro à faire, ça va être compliqué, mais j'ai des soldats qui veulent les programmes et qui attendent les programmes. Et moi, je dois servir mes soldats, c'est important. Fouf. Il reste 15 secondes. Après, on repart. Tranquillement. C'était assez jusqu'à là. C'est très très bien. Mais ce qui est mieux, c'est de finir et valider avec moi la dernière rep. Et là, tu pourras vraiment être fier de toi. Allez, on y va, c'est parti. Hop, hop. Position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Ok, super. Je mets mon petit trait, le dernier trait. Et c'est parfait. On a fini le programme Pec Épaule. J'espère que tu as pu kiffer ce programme, avoir mal et tout. C'est que ça t'a fait du bien, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. C'est la moindre des choses pour aider un petit YouTuber à avancer sur YouTube. Et je t'en suis éternellement reconnaissant de faire ça. Partage la vidéo à tous ceux qui ont besoin de programme, ceux qui ont besoin de sport, qui ne peuvent pas bouger, qui veulent rester à la maison. Et c'est good, ok? Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.